Donc ce jour-là, je me rappelle au moins comme si c'était hier, parce que on était ensemble, on avait dit on va manger des poulets au restaurant. Donc nous on s'était installé, vous étiez parti voir une fille, la copine à Denis. D'un coup on a vu arriver, je crois que c'est Bonnie qui est arrivée en pleurant. Vite, il y a eu Serge et Denis ont eu un accident. Bon, moi j'ai vu la jambe à Serge. Ah ouais, t'as vu? J'ai vu ta jambe. Moi j'avais 16 ans à l'époque. Ça m'a fait drôle, quoi. La santé, on évoque de plus en plus souvent la résistance aux antibiotiques. Les bactéries mutent, elles s'adaptent et les traitements sont donc moins efficaces. Et bien face à ce constat, des chercheurs et des médecins sont en train de réhabiliter la méthode qu'utilisaient nos aïeux avant la découverte de la pénicilline, inoculer des virus pour lutter contre les bactéries. Mais d'abord, cette histoire médicale qui illustre l'un des débats scientifiques du moment. Un habitant de Vedaine, dans le Vaucluse, a sauvé sa jambe de l'amputation grâce à des virus guérisseurs. Est-ce que vous connaissez la phagothérapie? Il s'agit d'utiliser les virus pour soigner des maladies. Alors ça paraît étonnant, mais c'est une technique utilisée bien avant l'invention des antibiotiques. Serge Fortuna aimerait oublier les souvenirs de l'infection chronique. Un staphylocoque doré ronge son tibia gauche. C'est à 19 ans qu'il contracte une maladie nosocomiale à la suite d'un accident de moto. Si aujourd'hui il marche, cela n'a pas toujours été le cas. En 37 ans, il a subi 39 opérations, en vain. Et donc à Nîmes, on a commencé à faire des curetages et surtout des greffes. Ça a été des souffrances insoutenables pour moi. Maintenant, je ne me sentais plus d'affronter ce genre de souffrances-là. D'autant plus qu'il y avait beaucoup de morphine derrière. Je fais pendant ce temps-là, je fais un infarctus. Je ne voyais plus debout. Et la dernière solution qui m'a été proposée, c'était de tenter une greffe de dorsale, c'est-à-dire on prenait un muscle du dos et on tentait de reboucher en force ce trou. Et là je refusais parce que c'était des mutilations qui dépassaient le cadre de ma jambe, quoi. Tant que ça restait localisé, j'acceptais de tout tenter et je ne voulais plus dépasser ce stade-là. Et donc à ce moment-là, bien sûr, comme je souffrais énormément, j'ai demandé l'amputation. Voilà. Alors pour ça, il m'a fallu faire une lettre de motivation à tout le corps médical, assortie d'une consultation chez un psychiatre pour être certain que j'étais sain d'esprit. Et bon, j'étais accordé, quoi, donc j'étais prêt. Prêt ? Je me souviens encore de ce jour d'automne où tu es passé m'annoncer ta décision. La lassitude se lisait sur ton visage. Après un an de traitement soldé par un échec, tu as dit stop. On coupe et on n'en parle plus. À peine quelques mois se sont écoulés depuis ce jour,
Et te voilà roulant vers l'aéroport pour accueillir un de ces rescapés, qui comme toi a pris un billet pour Tbilissi. Là-bas, les graines semées par Félix Derel ont continué à pousser et à sauver des vies. Là-bas, la phagothérapie n'est pas tabou. On la pratique même dans les hôpitaux. Il t'aura fallu 37 ans pour entendre parler de cette thérapie. 37 ans de silence du corps médical. 37 ans de mensonges par omission ou par ignorance. 37 ans. Pourquoi ?